Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, un exercice qui est assez simple côté dessin, tout ça, mais très très crucial à notre équipe. Si ton équipe peut réussir à faire cet exercice-là parfaitement, tu vas avoir beaucoup de succès cette année. Ça travaille l'attaque et la défensive en même temps. Donc, c'est littéralement, donc c'est le two-man, j'appelle ça un two-man, mais c'est techniquement un deux contre deux. Donc, on va avoir les gauchers de ce côté-ci, les droitiers de ce côté-ci. Il y a juste un groupe qui va en même temps, par contre. Donc, on va y aller juste avec les gauchers. Les X sont à l'attaque, les O sont à la défensive. Plusieurs points ici. Donc, si on se focus sur l'attaque rapidement, on va commencer avec la balle. Donc, on va leur donner la balle. C'est un petit peu plus fa facile de le faire. On va leur donner la balle. Puis on va s'assurer de se faire des pics, se créer de l'espace pour créer un 2 contre 1. C'est ça le but de la crosse, c'est de créer des surnombres à certaines places pour avoir un 2 contre 1, puis ensuite avoir un 1 contre 0 contre le gardien. Donc on a la balle en haut. On veut souvent envoyer la balle vers le bas. Commencer vers le bas, c'est souvent ce qui est le plus facile à enseigner. Donc notre joueur va faire une passe vers le bas. Le plus simple à faire, le joueur qui vient de faire la passe va couper vers le centre. On appelle ça un V-cut. Donc, on ne veut pas juste aller faire un pic dans une ligne droite. Pourquoi? Parce que c'est très facile pour le joueur de défense et de défense de voir ça et de ne pas se faire prendre. Donc, on va vouloir avoir un V-cut. Donc, ce premier joueur-là va couper vers le centre. De un, il y a une option. S'il coupe vers le centre, puis il est libre, cette passe-là peut lui retourner puis il est tout seul devant le gardien. Donc ça, c'est une option. Quand il coupe, il n'est pas libre. Ils vont donc revenir. Donc on voit le V ici. Ils vont donc revenir faire un pic. Donc faire un pic, faut que nos pieds soient en béton, soient arrêtés, ne bougent pas. Je me mets devant le joueur et je fais juste bloquer le joueur, je l'obstrue. Le joueur qui lui a la balle maintenant, donc on va effacer cette passe-là, le joueur qui lui a la balle maintenant va courir, va utiliser ce pic-là. Donc, on ne veut pas courir trop loin du joueur, on veut vraiment aller épaule à épaule avec notre autre joueur d'offensive pour ne pas donner de l'espace au joueur de défensive pour passer. Donc, si on a le joueur de défensive ici, et puis notre joueur qui a la balle, lui, fait une banane ici. Il y a amplement d'espace pour le cercle de passer puis de rester puis jouer continuer à jouer de la défense contre lui. Tandis que si le joueur de défensive est ici, puis le joueur qui a la balle lui passe super proche du pic, il n'y a aucun espace pour le joueur de défensive d'essayer de passer entre le pic. Une fois que ça c'est fait, donc on va effacer le V-cut ici. Ce joueur-là, il n'est plus là. Ce joueur-là est ici, puis il fait son pic. Notre joueur-là vient vers le haut. Techniquement, il devrait rester un cercle qui est là, qui lui jouait le joueur qui a fait le pic. Donc, ce joueur-là va passer vers le haut. Le joueur qui vient de faire le pic, lui, doit s'assurer de rouler et de continuer d'être une menace. Donc, quand il va rouler, il va s'en aller vers le bas. Ce joueur-là vient vers le haut. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un, on a deux. Donc, on a un, on a deux contre un seul. Donc, maintenant, c'est un 2 contre 1. Le joueur de défensive va falloir de faire une décision. Soit va prendre le joueur qui est en bas, donc ça va devenir un tir facile. Soit le joueur va aller vers la balle. Excusez, mauvaise couleur. Soit le joueur va aller vers la balle. Et donc là, c'est une passe vers le bas. Et ensuite, c'est un tir facile. Donc, ça, c'est la plus simple option, mais ça, c'est un two-man. Ou ce que c'est un 2 contre 2. Donc ça peut être avec la balle. Donc tous nos joueurs se pratiquent, nos deux joueurs défensifs se pratiquent, nos deux joueurs offensifs se pratiquent. La deuxième chose, c'est on peut avoir, on va le faire, mettons, des côtés des droitiers, avec un coach qui a la balle. Puis les deux, il va falloir qu'ils jouent off-ball. Donc on va quand même avoir deux joueurs de défensif. Il va falloir qu'ils se battent pour aller venir finir faire des pics, peu importe, essayer de s'ouvrir. Quand ils vont être ouverts, mettons, lui vient faire un pic ici, il vient faire son pic, lui il vient autour du pic, il roule,
Si lui est libre en bas, le coach, lui, va faire la passe une fois qu'il voit quelqu'un libre. Donc ça, très, très bon quand tu montes de niveau. On ne peut pas juste s'assurer de jouer jusqu'à la balle. Il faut s'assurer de l'autre côté, il y a quand même du mouvement puis tout. Comme ça distrait la défensive, ils ne peuvent pas venir aider de l'autre côté. Puis en même temps, si tu es libre, ben, tu as une option pour tirer. Côté défensive, c'est sûr qu'il faut s'assurer de parler et tout. La seule chose, c'est la chose qui est très très bonne, surtout à des niveaux plus bas où tout le monde joue toutes les positions. Si on a deux gauchers qui jouent de l'offensive, on va essayer d'avoir deux droitiers qui jouent de la défensive, et ainsi de suite. Donc, ce qui va arriver, c'est, admettons, eux, ils ont la balle, ils jouent, blablabla. L'exercice est fini. Ces deux droitiers-là vont sortir. Donc, on va jouer attaque, défense, puis ensuite, on va sortir. Ces deux gauchers-là, eux, vont venir de l'autre côté, vont venir jouer de la défensive. On va avoir deux nouveaux droitiers qui vont rentrer. Et ainsi de suite. Donc après, ce qui va arriver, donc ceux-là, ces deux gauchers-là, vont être rendus ici, jouer de la défensive. Une fois que ça c'est fini, blabla, ils ont la balle. Le two-man est fini ici. Ces deux joueurs-là vont sortir, sortent de l'exercice. Ces deux droitiers-là s'en vont de l'autre côté. Il joue de la défensive contre nos gauchers. Pourquoi? Parce qu'on veut nos gauchers, vu que tu as ton bâton, la tête est en haut, c'est plus facile pour toi de bloquer un droitier qui veut aller vers le haut que d'utiliser ta main où il n'y a pas de tête, rien, puis que tu as le bout de ton bâton. Donc, on veut, d'habitude, à la défensive, c'est préférable d'avoir nos gauchers qui gardent les droitiers, nos droitiers qui gardent les gauchers. N'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, liker, commenter si vous avez des idées. Les commentaires, peu importe, vous pouvez aussi nous écrire en privé. On va répondre à ça, puis on va essayer de vous aider.